Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce dernier live créatif avant la rentrée des classes. Je sais pas si on doit sauter de joie ou si on doit être trop content que les mômes reprennent un vrai rythme. En tout cas, je fais partie de cette communauté de mamans qui a vraiment hâte que nous reprenions un rythme scolaire décent. Je sais pas pour vous, mais bon. Toujours est-il que j'ai pas chômé, notamment ce week-end, parce que je suis donc démonstratrice indépendante Stamping Up. Ça, je pense que celles qui me suivent le savent. Et celles qui arrivent ici, bah voilà, bonjour, c'est moi, Sophie, chez Sof en Scrap. Et j'ai la chance d'avoir une belle équipe derrière moi de filleules que j'accompagne. Et c'est surtout que Stamping Up a mis en place une formation spéciale pour les leaders, pour apprendre à driver, à aider au mieux son équipe, et ça a duré 3 nuits. Vous pouvez savoir que jusqu'à 4h du mat, ça a été un petit peu piquant. Mais j'ai plein d'idées dans la tête pour pouvoir accompagner au mieux mon équipe, pour pouvoir accompagner au mieux les nouvelles recrues qui seront là à mes côtés. Parce qu'il faut savoir que pendant la SAP, donc la promo de chez Stamping Up, c'est le top du top pour intégrer une équipe. Parce que le kit est toujours à 129€. Pour 169€, 179€ de produits choisis, frais de port offert s'il vous plaît mesdames, oui. Et là, en plus, vous choisissez un lot de dyes et de sets de tampons qui sera offert gracieusement avec votre kit de démarrage. Donc si jamais l'envie vous en dit, je me ferai un réel plaisir de vous accompagner au mieux dans cette formidable aventure qui est la mienne depuis bientôt 5 ans. 5 ans d'ici 400 jours, il semblerait. Je vois les compteurs, vous êtes bien bien nombreux à me suivre aujourd'hui. Je suis ravie, salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à scraper. Je vais vous retourner le téléphone et c'est parti, on y va. Attention, hop là, le mal de mer, voilà, nickel. Hop, alors, j'espère ne pas me planter, ça fonctionne. Voilà, donc aujourd'hui, on fait une boîte. Joyeux anniversaire, vous l'aurez compris, c'est pas pour Noël. En fait, c'est une réédition, allons-nous dire, hein, parce que l'édition principale a été offerte à sa destinataire que j'embrasse très très fort. Je pense qu'elle doit être devant son écran. Et du coup, j'avais pas pris les mesures, hein, vous me connaissez bien. Du coup, j'y suis retournée au feeling et je l'ai fait plus grande que ce que j'avais fait initialement. Voilà, hop. Et là, pour l'occasion, pour que vous vous rendiez compte surtout de la contenance, j'ai mis des boules coco que je ne mangerai pas, promis. Voilà. Et nous allons donc faire une base de boîte, voilà, avec des côtés biseautés, allons-nous dire. Et on va voir ou revoir la technique de la lingette pour celles qui ne connaissent pas, à l'aide des encres liquides. Merci, merci Isa. Ah, j'adore la coco, c'est mon péché mignon, mais il est hors de question que j'y touche, parce que le confinement a eu raison de moi, et j'essaie de perdre ces kilos-là. Voilà, donc faut pas déconner. Donc, attention, c'est parti les amis. Aujourd'hui, je vous ai pas donné la liste du matos, parce que de toute façon, quand je la fais, elle est toujours fausse, donc je me dis qu'on va prendre notre temps tranquillou, et que vous allez réussir à suivre. Bonjour Simone, bonjour tout le monde. Si jamais vous êtes là pour la première fois ou pas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je me ferai un plaisir de venir vous parler ou vous expliquer si jamais vous avez besoin après. Merci beaucoup Séverine. Je suis un peu ton live et je ferai... Ça marche, pas de problème. Alors, je prends mes notes parce que je suis une fille méga organisée. C'est la nouvelle résolution de cette formation que j'ai passée ce week-end. Je vais être mieux organisée. Voilà. Ouais, c'est ça, on repère nos kilos de confinement. Donc là, j'ai une page 30-30
Donc aujourd'hui, on va travailler avec, je vais travailler avec du papier rose pierre poli. Je vais travailler avec du papier cidre à la cannelle. Et je vais travailler avec du papier de la collection de papier design autour des murs. Regardez, je vous ai fait un petit panache pour que vous vous rendiez compte de tous les coloris qu'il y a dans le paquet. Je suis fan, j'adore, c'est complètement moi, j'ai envie de dire. Voilà, hein. Et ça me correspond complètement, ces couleurs. Enfin, voilà. Alors, on prend une page 30-30 et on va la couper à 28 sur les deux côtés. Ok? 28 sur les deux côtés. Si je me mettais correctement dans le champ de vision, vous ne croyez pas que ce serait un peu mieux? Pas hésiter à me le dire. 28 sur les deux côtés. Si j'ai une petite âme charitable qui pourrait jouer les secrétaires pour Isa que j'ai vue, ça me ferait bien plaisir pour elle. Voilà, pour qu'elle puisse suivre aussi. Sur... Salut Nathalie. Ah, j'adore Cathy. Moi, j'adore cette collection. Bon, ça marche, Mélie. Bon courage. Sur les quatre côtés, nous allons faire un pli à 8 cm. Donc, je me place sur mon curseur. Je vais à 8. Je tourne d'un quart de tour. Ça marche, ma Catherine. Pas de problème. Je te fais des bisous. Voilà. Je retourne d'un quart de tour. Je répète la même opération encore et encore. Eh ben, ça fait bien plaisir, Nathalie. Voilà. Tac, c'est parti. Waouh, je suis en train de regarder le nombre impressionnant de personnes qui me regardent. Je suis toute tremblotante. On voit que vous êtes revenus de vacances. Quand on en est là... oui, quand on en est là, j'ai l'impression que ça y est, j'ai déjà fait une boulette. Est-ce que ça vous étonnerait? Non, ça vous étonnerait pas. Non, c'est bon, j'ai pas fait de boulette. Je dis n'importe quoi, pardon. Quand on en est là, on va prendre ces ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe et on va venir couper le long de mon boudin. J'appelle ça le boudin. Le long de mon boudin. Et je vais couper à l'intérieur du boudin pour retirer l'épaisseur de ce boudin. C'est important? Oui, oui, on peut faire, Fabienne. Promis, je ne me suis pas trompée. On reste bien droit et on suit le boudin. Et on s'arrête au croisement. Ok? Voilà. Là, ce que je fais, comme à mon habitude, je biseaute. Bah oui, ça fait du bien de refaire du scrap. Je vais juste vous quitter 2 minutes pour aller appuyer sur l'interrupteur de la lumière parce que je vois que dalle, c'est très, très déplaisant. Ah, c'est quoi le projet? Pardon, excuse. C'est la boîte Joyeux Anniversaire. Tac, 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 tac. Voilà. Je la pose là pour que vous puissiez la voir. Voilà, j'allume l'interrupteur. Hop là, voilà. Là, je tourne d'un quart de tour et je vais répéter la même opération jusqu'à l'autre croisement. C'est pas croisement, mais je trouve plus le mot. J'ai pas dû appuyer bien sur mon pli parce que je vois que dalle. Mais je sais pas si c'est pas moi qui ai pas la lumière en face des yeux aujourd'hui, moi. Voilà. Voilà, hop. Comme tout à l'heure, je biseaute. Hop là. Là, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous êtes en pleine forme?
Est-ce que vous avez scrappé pendant vos vacances? Est-ce que ça va? Est-ce que... Dites-moi tout, quoi. Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez sur le feu en termes de scrap, hein, je parle, hein. En tout cas, ça me fait chaud à mon petit cœur de voir que vous êtes si nombreux et nombreuses, parce que ça se trouve, il y a peut-être des garçons qui me regardent. Hop là, voilà. Donc là, on est comme ça. Je vais peut-être même pousser mon coupe-papier pour que vous puissiez me voir. J'attrape mon plioir en os. Évidemment, ce que je... Donc, d'habitude, pour celles qui me suivent, vous savez que je fais ça comme ça et ça comme ça. Mais là, j'ai voulu faire comme ça, de cette façon-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va marquer tous les plis... Donc là, c'est le moment de marquer tous les plis. À l'aide de son plioir, on insiste bien. Voilà. Je procède de cette façon pour la simple et bonne raison que comme ça, ça va apporter de la solidité, de la rigidité à toutes mes côtés de boîte en fait. Ah bah c'est une très bonne idée ça Nathalie. Hop là. Voilà. Voilà. Ça c'est good, ça c'est good, ça c'est good. Donc vous voyez, la forme elle se fait d'elle-même. La boîte n'a rien de compliqué. Vraiment c'est à la portée de n'importe qui. Il faut juste prendre son temps. Il faut juste être un peu précise. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Bonjour Hervé, je te fais des gros bisous. Et vous voyez, du coup, on va venir mettre de la colle sur les languettes, comme ça. Et comme ça, ça va forcément solidifier tous les côtés de notre boîte. Ok? Hé hé, merci les tutos de Sof. Youhou! Allez, on y va, on colle? Vous êtes partis? Donc, on met... Quand on met de la colle, on va la mettre là. Ça ne sert à rien d'en mettre 3 kilos. Après, ça gondole, c'est cracra, c'est moche. L'idée, c'est d'en mettre un peu partout, surtout quand on a de la colle de qualité. Moi, je suis complètement fan de la Tombow, colle multi-usage, qui évidemment est au catalogue Stamping Up, mais que vous pouvez trouver ailleurs. Je l'aime beaucoup. Si vous êtes plus double face, vous prenez du double face. Il n'y a pas d'obligation et je ne vous ferai pas la tronche si jamais vous n'avez pas la bonne colle. Ne vous inquiétez pas. Mais sachez que si vous en mettez trop, peu importe la colle, ça va gondoler. Donc, on vient en mettre là. Et on vient coller, on se met bien à l'angle droit, d'accord? Et on, vu qu'on a retiré l'épaisseur de notre pli, on ne va pas être en kikiné. Donc normalement, c'est censé pas déborder, hein? Attention, hein? Allez. Évidemment, vu que je suis le genre de nénette à laisser mon tube ouvert, ma colle elle sèche. C'est pas grave, j'en ai un autre. Qui est aussi bouché. Oh là là là. Hop. Merci Marine, t'es adorable. Voilà. Donc là, je récupère mon plioir en os et j'hésite pas à maroufler comme dirait notre copine Valérie D'Amido. Hein. Voilà. On répète évidemment la même opération sur les quatre côtés. Voilà. Tac, tac, badaboum, tagada, soin, soin. Alors, on se met bien à l'angle droit. Hein. D'accord. On récupère le plioir et on y va. Tac. Là, attention les amis, hein. Si vous mettez de la colle que sur un côté et que celui-là, vous ne faites pas attention, machin, vous allez galérer après. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous positionner comme ça, de mettre de la colle directement sur les deux, soit sur la languette là et sur la languette là. Comme ça, après, tac, tac, ni une ni deux, c'est plié, hein. Ok? Hop là, oh là.
fais ça comme une porcasse. Hein. Vous avez vu quelque chose? Non, vous n'avez pas vu cette partie-là. Ok? Comme une porcasse. Là, c'est pareil. On fait attention. On se met bien à l'angle droit. Hop. On s'aligne. Voilà, nickel. Hop, on a bloqué même le petit marabout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de marabout. Hein. Voilà. Et on a une boîte. Jusqu'ici, c'est facile. Vous êtes d'accord? On est d'accord, c'est facile. Donc, on va récupérer notre autre feuille. Donc là, c'était une feuille 30-30. Pour les mesures, n'hésitez pas à retourner soit dans la discussion, soit en replay après. Là, je chope une feuille A4. Je récupère mon coupe-papier. Voilà. Voilà. Et l'idée, ça va être de couper notre feuille à 20 cm sur le petit côté et sur le grand côté à 22,2. 20 sur le grand côté, sur le petit côté et 22,2. Oh, Claude, elle nous fait un coucou du Var. Oh, c'est tellement beau le Var. Voilà, alors 20 sur le petit côté, ok, jusqu'ici ça roule, et 22,2 les amis, 22, on n'oublie pas le petit 2. Hein. Alors 1, 2, let's go. Voilà. Alors, ensuite, encore une fois, ça va être facile. De toute façon, pour celles qui ne me connaissent pas, j'aime pas les choses trop compliquées. Je ne suis pas une fille hyper technique. J'aime quand j'y arrive. Donc, il ne faut pas que ça soit très technique. Voilà. L'idée, c'est de faire un pli à 5 cm et un pli à 17,2 sur le petit côté et sur le grand côté. Pareil, c'est facile. Ok ? 5 cm. Et 17,2. 1 et 2. Voilà. Et pareil sur le petit côté. Ben ouais, attends, faut pas déconner, hein. Cinq et 17,2. Alors, je vois que dalle, bien évidemment. Et si je suis pas précise, vous allez me tuer. N'importe quoi, la fille. 1, 2. Voilà. Nickel. Donc là, il nous reste un bébé bout de 3 cm. Et de ce côté-là, c'est un bout de 5 cm. C'est normal. J'ai l'impression que j'ai un souci avec ma lame de pli, là. Parce que j'ai l'impression que ça ne marque pas très fort aujourd'hui. Je vais repasser un coup là. Mon coupe-papier doit être cracra. Je pense. Voilà. Nickel. Je vire mon coupe-papier. Tac, tac. Jusqu'ici, on est bien. L'idée, je vais vous montrer à quoi il faut s'attendre. En fait, on va faire ce truc-là. Ok ? Donc, vous visualisez la chose. Bonjour. Ça, ça va être le devant de la boîte. Ça, ça va être le derrière. Hop. Ça, ça va être le derrière. Le derrière, on va venir l'accrocher au derrière. Voilà. Ok ? Donc, il va nous falloir faire des languettes. Donc pour ça, nous allons récupérer nos ciseaux qui coupent bien. Hop, donc je me retourne. Sur le petit morceau de 3 cm qui nous reste juste devant, on va couper à l'intérieur le long du boudin comme on a fait tout à l'heure.
on biseaute. Je procède toujours de la même façon, même s'il y a plus simple. Parce que je suis capable de me planter si je ne procède pas de la même façon. Vous savez, c'est comme Zinedine Zidane avec ses chaussettes. Voilà. Hop. On est bien. On tourne comme ça et on va faire la même chose. On est le long du boudin. Voilà. Et voilà. Là, je me concentre parce que je sais, je me connais et je sais que même si je l'ai fait 15 fois, je suis capable de refaire une boulette. Et vu que j'ai pas envie d'être la fille qui fait une boulette en plein direct, je me concentre. Ok, ça marche. Là, on va être comme ça. Maintenant, l'idée, ça va être de prendre sa règle. Son, comment il s'appelle celui-là ? Son critérium. Je vais récupérer mon tapis de coupe aussi. Tac. Alors attendez, parce que le tapis de coupe, il fait un peu toute la place du truc. C'est pas très joli, c'est pour ça que je voulais pas vous le mettre avant. Moi, j'utilise mon cutter rose. Voilà. Ouais, hein, c'est ce qui fait tout mon charme, mais bon, quand même, quoi, ça craint. Hein. Salut Sandrine, voilà. Donc, l'idée, ça va être, soit vous avez plusieurs options. Là, il va falloir nous faire une languette dans ce sens, dans cette diagonale. Du haut, du premier pli à l'intérieur, en haut, vers celui-là, d'accord? Vous pouvez directement y aller avec votre cutter. C'est ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas avec moi. Mais exceptionnellement, je vais tracer un beau trait. Ah, il me casse les pieds aujourd'hui, les marabouts, là. Hop, je les bloque. De l'autre côté, on procède à la même opération. D'accodac ? Alors, je vois toujours que dalle, donc je me baisse, je suis désolée. Je vous remettrai ça en face bien comme il faut. Voilà. Ok, ça, ça marche. Ensuite, j'ai oublié ce que j'ai fait. Vous allez me tuer. Ben, je suis bête, n'importe quoi moi. L'idée, c'est là, on va venir prendre notre... notre règle. Ça y est, je trouve plus mes mots. Notre règle est sur ce côté-là, donc sur la languette où il y a les 3 cm. Venir faire une marque à 3 cm aussi, le long du trait. Voilà, comme ça. Ok ? Ma petite bébé marque, elle est là. À 3 cm en partant du premier pli. 3 cm, d'accord ? Et je répète la même chose à l'opposé. 3 cm. Voilà, ok ? Parce que, en fait, l'idée, ça va être de venir couper à l'aide de son coupe-papier, de son cutter, comme ça. Voilà. D'accord ? D'habitude, j'aurais fait mes languettes dans l'autre sens. Aujourd'hui, je les ai fait dans ce sens-là. Allez savoir pourquoi. C'est la magie du direct, on va dire. Hein ? Ok ? Voilà, comme ça. Ok, ça marche pour vous? On prend son cutter, son ciseau, ce qu'on veut. On se prend pas la tête. L'idée, c'est d'être à l'aise avec le matériel. On prend une règle un peu plus épaisse que ce qu'on a là. Et ben moi aussi, je dis bonjour à Mazou et je lui fais plein de gros bisous. Et on vient couper. C'est parti, les amis. Tout va bien? Vous arrivez à suivre? Dites-moi tout. Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je suis assez claire dans mes explications? Donc là, l'idée, c'est de bien tenir la règle, mais avec les autres doigts de notre main, hein, c'est de bien appuyer sur la feuille pour pas que ça glisse. Parce que sinon, arrivé en bout de course, on a tendance à... Et là, on a foiré le projet. D'accord ? Hop, allez, c'est parti, mon kiki.
Voilà. Parfait pour Valérie. Parfait pour Marine. Voilà, bah bravo. Si je bouge sans mettre le cutter, on est mal, les amis. Hein. Voilà. Attention les doigts. Ouais. Non, mais avec mon super cutter de Barbie, je peux pas me couper les doigts. Hein. Voilà. Ensuite, vous l'aurez compris. Purée. Vous nous cassez les pieds. Voilà. L'idée, ça va être de répéter la même opération là comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je me mets dans les bons sens pour moi. Je vous remettrai après pour que vous puissiez bien visualiser ce que ça doit donner, les filles. Hein. Et on appuie bien avec le petit doigt. Hein. Ça nous donne donc un bidule comme ça. Ok, d'accord ? Si je vous dis que je vous ai fait faire des étapes pour rien, vous me croyez ou vous me croyez pas? Ouais, vous allez me croire parce que vous commencez à me connaître. Pour celles qui me suivent pour la première fois, je suis un peu la reine des boulettes. Je suis un peu Miss Freestyle. D'ailleurs, il semblerait que ça soit mon surnom attitré. Et il semblerait que là, je viens de faire des étapes parce que clairement ça, vous êtes d'accord avec moi? Vu qu'on va venir le coller par l'intérieur, on n'en a pas besoin en fait. Donc, je vous ai fait faire ça pour rien. Hop. Mais c'était parce que j'avais envie de rester plus longtemps avec vous. Hein? Parce que vous m'aviez trop manqué. Voilà. L'idée, c'est d'avoir ça. Ok? Quand on a ça... Alors, faites-moi des petits pouces pour me dire que c'est bon. Après, je suis pas certaine que beaucoup le fassent en même temps que moi, vu que j'avais donné zéro indication. On est un peu tranquille à ce niveau-là. L'idée, ça va être de marquer les plis. Voilà. Pardon, Cathy, ça doit être difficile pour toi. De marquer tous nos plis. Moi, je le fais. Ok, d'accord. Pardon, t'arrives à suivre? Madame Red, c'est quoi ton prénom, du coup, Madame Red? Je peux t'appeler comme ça, je suis capable. Vous voyez? Est-ce que vous visualisez le bazar? Ça, ça va venir comme ça. Alors, la première fois, je l'ai mis à l'intérieur de la boîte. La deuxième fois, je l'ai mis à l'extérieur de la boîte. Ça revient plus ou moins au même, sachant qu'on va venir cacher... Là, au dos. Donc, vous voyez, on peut le mettre à l'extérieur. Ah, super. D'accord, c'est Karine. Ok, ça marche. Ben, si Karine suit alors qu'elle le fait en même temps, c'est que c'est bon. L'idée, maintenant, ça va être de prendre des papiers cidre à la cannelle, en l'occurrence, pour moi. Ils sont mes trucs. Voilà. Mais papier cidre à la cannelle, on va en avoir besoin... de deux qu'on va venir comme ça. Donc évidemment il va falloir venir également les biseauter sur le côté. Donc pour le moment ces morceaux font 4,5 par 11,5. Ils sont censés faire 11,5, ils sont pas censés, ils sont un petit peu plus grands. Non, c'est ça. 11,7, pardon. Oh là là, Sophie. 11,7, excusez-moi. Donc, 4,5 par 11,7. D'accord? L'idée, ça va être de venir le trancher comme ça. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc là, ça fait 3. Donc il va falloir le réduire de 2,5. Et donc faire une marque à 2,5. Hop. Attendez, je me mets bien 2,5 là, comme ça. Voilà. Et du coup, venir à... Ensuite, une fois que vous aurez tracé votre... Moi, j'ai besoin... Bah, bien sûr que Maëlle, il est capable, le roi des maths. Allez, mon chouchou. Moi, j'ai besoin, pour ne pas me planter de côté dans lequel il faut faire la diagonale, parce que un coup sur deux, vous êtes tranquille, surtout avec le papier à motif. Un coup sur deux, vous êtes tranquille, je ne fais pas dans le bon ordre. C'est pour ça que j'ai mis mon chapeau devant mes yeux. Et parce que vous voyez, comme ça, je peux situer où est ma diagonale. Donc, il faut 2,5 à partir du haut de mon papier. Là, ça n'a pas d'importance parce que c'est du papier à motif, du papier uni. Mais après, on voit que ça va rentrer dans le bazar. Ok ? Donc, évidemment, vous pouvez y aller avec vos ciseaux ou avec votre cutter. Vous faites comme vous avez envie. Moi, j'ai besoin de visualiser le truc, en fait. Alors, hop. J'appuie bien. Là, je suis pas du bon côté. Je vais faire des bêtises. Je veux faire ma maline. Mais je me connais. Hop. Appuyez bien pour pas que ça bouge. Voilà. Et vous voyez, ça rentre nickel, d'accord? J'ai réduit de 0,5 pour nous laisser la même marge que d'habitude. Donc, je vais le laisser comme ça pour que vous visualisiez. Et là, je vais faire la même opération. Donc, je pose à côté mon papier de cidre à la cannelle. Et je sais qu'à partir de là, je vais me faire une marque de 2,5. Ce que je fais en direct live. Il n'y a que Karine qui le fait en même temps que moi, le projet. Tac, voilà. Et là, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut relier. Alors, si vous le sentez, vous pouvez tout faire d'un bloc, hein, les filles. Hein, les filles. Vous pouvez et couper et avec le cutter directement une fois que vous avez votre bébé marque. Hein, pas de problème. Hein. Bonjour Marie-Bernard. Alors, hop, je retourne le papier, je me mets bien le long de mon trait, j'appuie bien très très fort avec mes doigts, et c'est parti mon kiki. Hop là. Il n'y a pas de problème Ghislaine. Et vous voyez, ça rentre impeccable. Elle n'est pas formidable la vie ? Formidable. L'idée, c'est que là, j'ai coupé deux morceaux de papier à motif avec des chouettes ou hibou, je sais pas ce que c'est. Moi, je le trouve fun, ça brille, il y a de l'or, du rose, enfin bref, c'est moi, quoi. Hein. Pas de problème, Catherine. L'idée, donc là, c'est que le papier cidre à la cannelle fait 2,5 cm. Vous visualisez le bazar ? Il va falloir forcément que ça fasse 2 puisqu'on réduit de 0,5. Ok, Dac ? Donc, on procède de la même étape, de la même façon. On se fait une marque à 2 cm sur le côté. Attention les amis, si vous avez du motif, faites gaffe et faites comme moi, puisque moi, clairement, c'est ça qui m'aide, parce que combien de fois je me suis plantée à couper la diagonale dans le mauvais sens du motif et à répéter et recommencer je ne sais combien de fois. Moi, j'ai trouvé cette technique-là qui me permet de faire mes diagonales bien comme il faut. Mais je préfère prendre mon temps. Je ne les fais jamais tous les deux à la suite, par exemple. Hop, je me fais une marque. Voilà. Et j'y vais avec Lautrec, Sophie, avec Lautrec. Tu vas faire des boulettes. Hop. Voilà. J'ai pas retourné mon papier, hein.
Oh, je suis une warrior. Je suis une warrior. Hello. Et vous voyez, mon papier est dans le bon sens et coupé bien comme il faut. Je me retourne à nouveau. Même si je perds du temps, je préfère procéder comme ça. Les mesures, Sophie. Pardon, quelle idiote. Excuse-moi, ma Cathy. Les mesures, c'est 4 cm. En fait, c'est 0,5 de moins. Hein, par 11. Donc là, on a conscience que la diagonale a changé, forcément, hein, c'est pas le même côté, et qu'il faut faire sa marque à 2 cm de ce côté-là, en partant du haut. Alors, hop, voilà. Et c'est parti, mon kiki. J'ai chaud. Vous vous en fichez, hein. Voilà. Oui, 11, 2, oui, ben moi j'ai fait 11. C'est un petit peu plus... Fallait pas le dire, Cathy. Personne n'avait remarqué que je m'étais plantée, sauf toi. T'auras un gage, Cathy, hein. Un petit gage pour Cathy? Puisque c'est la seule à avoir remarqué que je m'étais plantée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme gage? On pourrait lui demander à Cathy de faire une carte avec, avec un combo de couleurs d'été. Donc, avec du bleu et du jaune. Qu'est-ce que tu en penses, Cathy? Est-ce que tu serais capable de relever le défi? Elle est concentrée sur son écriture, la pauvre bichette. Je suis diabolique. Non, mais c'est vrai, vu que c'est la seule qui a remarqué que je m'étais plantée. Elle mériterait bien de faire un challenge, vous avez raison, non? Quand même. Vous trouvez pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Faut dire que les 2 mm, là, il manque quand même. Ok, ça marche. Allez, Cathy relève le défi. Je l'entends rigoler d'ici. Pourtant, Cathy, ça fait un petit moment qu'elle me suit. Un petit moment qu'elle partage mes lives avec moi. Qu'elle joue souvent mes secrétaires. Et je ne l'ai jamais eu au téléphone et je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais je m'entends bien avec Cathy. Hein? Ah, Fabienne valide. Ça marche. Alors, une carte aux couleurs de l'été avec forcément du bleu et du jaune dedans. Ben oui, je te connais. Et voilà. Nickel. Ouh, ça y est les filles, on a fait le plus dur. Voilà, on est bien. Maintenant, c'est que du bonheur. Allez, on y va. Du coup, le reste, je l'ai déjà collé pour gagner un peu de temps. Je vais vous donner les mesures. Donc là, en fait, on est d'accord que c'était 3 cm par 12,2. Donc, on est d'accord que ça va être 0,5 de moins. Donc, 2,5 cm pour le papier uni par 11,7 de ce côté-là. Puisque là, je ne me suis pas plantée. C'est après que je me suis plantée. Hein? Et le papier design fait 0,5 de moins, donc c'est facile, c'est 2 cm par 11, puisque là je me suis plantée, donc on va dire 11,2. Et vu que je me suis fait griller, je suis obligée de le dire que je me suis plantée, quoi. Il y a un cheveu dans ma colle, vous le croyez, vous? Ah, j'ai failli faire des boulettes. Hop là. Voilà, et on vient le coller comme ça, pile poil, nickel, en étant bien droite. Impeccable.
Pour l'intérieur, pour le dessus, attention, je le rappelle encore une fois parce que je suis sympa avec vous et que je vous apprécie grandement, donc du coup je me dis que c'est mieux de le rappeler. N'oublions pas que notre chapeau va être comme ça, hein, comme ça. Donc nos chouettes, faut qu'elles soient dans le bon sens, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, notre papier uni cidre à la cannelle fait toujours 11,7 de côté vu que c'est un carré. Et que le papier à motif, ah là pour le coup je me suis pas plantée, c'est un carré de 11,2. Hein, et on n'a plus qu'à venir le coller comme ça à l'intérieur. Alors, on ne fait pas ça. Voilà, ça on va le mettre là. Après, je vais vous montrer la petite technique de la lingette. Est-ce que vous connaissiez déjà cette technique? Alors, il me semble que j'ai une petite vidéo sur YouTube que j'avais fait avec ma Lulu des îles d'ailleurs. Hop là, voilà. Mais j'adore faire cette technique, j'adore. Et puis je trouve que de faire une petite piqûre de rappel de temps en temps sur les techniques sympatoches, eh ben c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc ça, on pose là. On va venir faire agrémenter notre boîte, notre base de boîte à l'intérieur sur les trois côtés. J'ai déjà préparé aussi pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc nos côtés, ça y est, on m'a perdu. Mon morceau de papier de uni de cidre à la cannelle fait 4,5. J'attendais, Cathy, que tu réagis. J'attendais. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en as mis du temps à réagir que la boulette, elle venait de moi. Donc le gage, il était censé être pour moi. Mais je suis désolée, t'as accepté. Tu n'as plus le choix, ma petite dame. Donc allez, je reviens à mes moutons. Donc 4,5 dans un sens par 11,5 dans l'autre pour le papier uni. Et le papier design fait forcément 0,5 de moins, soit 4 par 11 sur trois côtés, les amis. D'accord? Et là, il va falloir venir mettre à égale distance et laisser à peu près la même marge sur les trois côtés. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Alors, bah c'est ça, on a galéré, on a validé. Hein. Ah non, je me suis pas plantée trois fois, j'ai fait la même boulette trois fois de suite. C'est pas la même chose, c'est pas trois erreurs. Du coup, ça ne compte qu'une fois. Exagère pas, s'il te plaît. J'adore, c'est énorme. Les copines, mettez bien de la colle bien partout dans les coins. Hop, on se concentre. Il n'y a personne qui répond, t'as vu, hein? Non. Hop. Ça, on aurait pu le faire avant de coller, hein, clairement. Mais c'est pas mon style de faire ça avant de coller. Puisque je sais jamais ce que je vais faire. J'appuie bien. Il n'y a personne qui répond. Personne ne veut me donner de gage. Ha ha ha. Ça vous embouche un coin. Hop. Tac, tac, badaboum. Voilà. Nickel. Ensuite, donc on a collé nos trois morceaux le long de notre base. On va pouvoir venir faire la suite. J'ai chaud. L'idée...
Alors allez-y, c'est quoi mon gage? Allez-y, je suis capable, je prends, j'assume. Sandrine, je trouve que tu abuses un petit peu, ma petite dame. Voilà. Là, surtout, c'est important de bien marquer les plis, les amis. Parce que c'est ce qui va faire que ça appuie. Sur la boîte que j'ai faite à Sandrine, je n'avais pas doublé papier uni, papier design. Et du coup, clairement, vu que c'était moins lourd, ça avait plus de mal à tenir bien contre la paroi. Ok ? Donc, moi, je conseille très fortement de bien marquer les plis, surtout, 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 et aussi de bien mettre du poids sur nos côtés pour que ça prenne la bonne forme. Avant de coller, je viens, donc là, je vais le faire par l'extérieur comme j'ai fait pour la seconde boîte. Je viens vérifier, je vais venir coller d'abord le devant et je viens vérifier que mes languettes, que j'ai bien retiré toute l'épaisseur de mon boudin et de mes languettes. Vous voyez que là, c'est pas tip top, donc je vais venir rafistoler. Cathy, une carte d'été, donc Sophie, une carte d'automne. Ok, ça c'est dans mes cordes. Une carte d'automne, ça marche. Donc je biseaute. Tranquillou. Voilà. Ça vous convient donc une carte d'automne pour mon gage? Parallèlement, Fabienne, t'es de quel côté ma chérie? T'es de quel côté? Faut pas déconner, hein. Ça c'est pas cool. Hein. Moi je prends le premier gage. Donc là, je prends mon côté à 3 cm et je vais venir coller mes languettes. Non, je prends la carte d'automne. Parallèlement, vous êtes folles les filles, vous savez très bien que j'y arriverai jamais. Parallèle. Hop, on se met bien à l'angle droit. Bon, une carte d'automne parallèle, ça marche. J'ai déjà des idées. Oh, voilà, vous me faites faire des boulettes, hein. Bravo. Voilà. D'accord avec Fabienne. Oh là là, je rêve ou... Hein? Voilà. Donc... Ok. Donc je positionne ma boîte bien comme il faut. Ma boîte, mon chapeau et ma boîte sont bien mises. J'appuie bien pour que ça soit bien placé. Vous êtes d'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais même venir rebiseauter à nouveau. J'ai toujours peur que ça soit trop, mais en fait, c'est jamais assez. L'idée, c'est que ça ne se voie pas, parce que sinon, ça va faire cracra. Hop là. Là, je m'appuie comme ça, voilà. Hop, je retourne mon bout de papier. Ma languette, n'importe quoi, Sophie, ma languette. Et je viens coller. Je me mets bien au milieu. Sophie, trop tôt, nul. Ah ben voilà. Alors là, ça y est, vous m'avez perdu les filles. Trop de stress là, la carte parallèle, poids, 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 poids. Je vais rester appuyée et je vais bien l'ouvrir pour venir bien marquer à l'intérieur surtout, d'accord? Tac.
Voilà. Ça, on va laisser prendre bien comme il faut. Et pour venir cacher donc le dos de notre boîte, qu'on va venir mettre du coup là. Hop là, on va venir comme ça. J'ai utilisé un morceau de papier cidre à la cannelle de 7,5 cm par 11,5 cm et en papier uni de 7 par 11. Ok ? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On vient fixer tout ça. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire une petite étape. Mais ça n'a pas d'importance. On peut... Ah bah c'est sûr que pour mon cerveau un petit peu branlant, des fois c'est une grosse gymnastique. Hein, mais c'est tellement un réel plaisir d'échanger avec vous toutes. Et franchement, ça, avant les lives, je me rendais pas compte. Je me disais, non mais parler derrière son téléphone, c'est complètement débile. Faut complètement être gogole pour faire ça. Et en fait, j'adore ça parce que vous voyez, il y a un vrai échange. On échange entre nous, on se répond aux questions, on connaît les gens. C'est formidable. Sincèrement, moi, j'adore. Et je vous assure que quand il y a eu le Covid, j'ai pleuré hein, parce que je pouvais plus faire d'atelier en live. Hein. Alors merci, merci d'être si nombreuses à me suivre, merci, merci de me faire pousser des ailes parce que franchement, je vous kiffe. Enfin bref, hein, ça suffit, je vais pas trop vous complimenter, il faut pas déconner quand même. L'idée, c'est d'attraper sa règle magique parce que là, sur la boîte, j'ai fait une bébé en coche. La bébé en coche n'est absolument pas nécessaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose pour apporter un petit touch à ma boîte. Mais elle n'est pas nécessaire du tout. Oh, vous êtes génial. Vous êtes génial. Franchement. Oh là 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 là. Non, mais il faut le dire aussi des fois. Hein. Donc, on prend sa règle magique pour éviter de trop réfléchir. Voilà, ça doit être quelque chose à peu près à 6 cm. Forcément, ça va de soi. Vous allez me dire, mais Sophie, t'es complètement grave, ma pauvre. Voilà, c'est ça. J'ai oublié le haut de ma boîte. C'est-à-dire de le faire ou de le coller. Pas grave. Mais c'est ça, en fait. Hein. Il faut toujours voir. La formation de leader là qu'on a eue cette nuit nous ont dit qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein. Alors, de nature, je suis quelqu'un d'assez positif. Mais là, cette petite piqûre de rappel, ça m'a fait du bien. Hein. Ça m'a fait du bien. Et clairement, j'ai envie de voir le côté positif des choses. Qu'est-ce qui se passe avec ma perfo? Voilà. Ma perfo déconne. Mais voyons le côté positif, l'encoche n'était pas assez grande. Et voilà, nickel. Elle n'est pas du tout au milieu, mais ça, vous n'allez pas le voir. Voilà, hein. De le faire et de le coller. Ah bah bravo, tu croyais être dans les temps. Et en fait, pas du tout, Karine. Hein. Allez, ça c'est bon. Voilà. J'ai pas sorti mon encre. Bravo, Sophie. Voilà. Donc, j'ai chopé mon encre cuvée de cassis, puisqu'elle est coordonnée avec la collection de couleurs. J'ai fait une étiquette que voici, parce que je suis une fille organisée, avec le lot d'étiquettes, comment il s'appelle celui-là? Poinçon, Hippo et ses amis, parce que j'adore. Non, non, pas de larmes, pas de larmes. Je suis désolée, ça ne viendra pas aujourd'hui. Voilà. Je vais utiliser le trop génial set de tampons souhait en grand qui est disponible dans le catalogue Stamping Up. je t'écoute plus, Cathy. À la page 61, il me semble qu'il est à 21 €. Il me semble, hein, je ne suis pas certaine. Et clairement, je l'adore. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, on a des textes en grand. Ça, c'est quand même pas mal, faut pas déconner. On a des polices d'écriture différentes. Donc, du coup, ça peut nous faire un style très sympa. Hein? Ouais, je suis sûre. Et surtout, il est transparent. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon Stamparatus parce que moi, j'aime quand mes étiquettes sont bien nettes, bien claires et que, y a pas, que ça a été bien ancré comme il faut. Je viens positionner joyeux directement sur mon étiquette. Je viens le bloquer à l'aide des deux aimants. Je viens le choper avec ma plaque. J'ouvre mon encreur en cuvée de cassis. Tac, tac, badaboum. Ni une ni deux, c'est fait. Mais je vous ai dit que j'aimais bien que ça soit bien ancré, d'où le Stamparatus. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ça, je le rangerai après. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir plein de choses. Là, ensuite. Ensuite, j'ai... Est-ce que le tampon encreur donne le même... Non, pas du tout. Pas du tout, Martine. Non, c'est pas la même chose. C'est deux... les stylos, alors les stylos, les Stamping White, ce sont des stylos qui ont la même encre que dans les pads. Ouais, on n'est pas à la poste, c'est vrai. Les Stamping White n'ont pas d'alcool. Ils servent à faire des petits pointillés, ils servent à faire du tamponnage directement sur les tampons, mais t'arrives pas à avoir un résultat aussi clair. Et les Stamping Blends, ce sont des feutres à alcool qui, eux, ont de l'alcool, comme son nom l'indique, hein. Mais surtout, qui te permettent de pouvoir coloriser à l'intérieur d'un tampon, quand tu as un tampon vide, par exemple, style un Père Noël ou quoi que ce soit, et que tu veux lui faire des dégradés ou différentes coloris. Voilà. Alors, là, je m'installe. Vous avez vu, j'ai pris le anniversaire. On sent qu'il a déjà des marques, mais c'est normal. C'est pas qu'il est abîmé. C'est juste qu'il a pris des marques de couleur. Voilà. Je prends un autre grand bloc. Je prends une lingette bébé. Voilà. Tac. On fout tout dans le paquet. Que j'étale directement sur mon grand bloc. Ces encreurs, non, ces encres liquides servent à venir recharger nos pads, nos encreurs, viennent aussi à recharger les Stamping White, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est, c'est la même encre que ça, donc on peut venir les recharger à condition qu'ils ne soient pas tout secs. Voilà, et il y a aussi différentes techniques avec qu'on peut réaliser. Cette petite bouteille coûte 4,50€, quand même. Et vous voyez, enfin, il y a plein de techniques, on peut les faire, on peut faire plein de choses avec, c'est génial. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je prends l'encre, une encre. Il faut avoir des deux. Dans un premier temps, quand on n'a pas un budget extensible et qu'on s'appelle pas Crésus, je conseille d'abord d'avoir des encreurs. Style un encreur noir, parce que le mémento, l'encre mémento, ça passe partout. Et un encreur ou deux de tes couleurs préférées. Après, tu peux venir, genre par exemple là pour Noël, admettons. Admettons, tu veux faire des décos de Noël. L'idée, c'est d'avoir un encreur mémento, par exemple, et d'avoir peut-être un Stamping Blends, le lot de Stamping Blends rouge-rouge, et le lot vert jardin, par exemple. Comme ça, tu peux faire des décos de Noël et tu peux faire pas mal de choses et ça t'a pas coûté un bras et trois jambes. T'es pas obligé de tout acheter d'un coup. On ne peut pas acheter tout d'un coup de toute façon. Donc, on prend notre petit bidon et on met une goutte. 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes. Quelque chose dans ce genre. On peut revenir dessus après si on n'a pas. Là, c'est l'encre cidre à la cannelle. Hein. Puisque vous le savez, chez Stamping Up, tout est coordonné. Donc, l'encre que j'utilise est la même. C'est la même coloris que l'encre, que le papier cidre à la cannelle. Hein. C'est ce qui fait la grande force de Stamping Up d'ailleurs. Voilà, là je prends l'encre cuvée de cassis et je viens compléter les trous.
en pensant bien, en n'oubliant pas surtout que mon encreur, que mon tampon est grand hein, quand même. Hein. Donc il faut que ça puisse rentrer en une fois dans notre truc. Après, si vous avez un encreur plus petit, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire autant de surface. Hein. Je vais remettre pour la postérité, parce que c'est très important pour la postérité, une gouttelette là, une gouttelette là. Hop. Ok, Dac. Ensuite, je prends mon encre, mon tampon, que je viens positionner dessus. Voilà, hop. Vous voyez ce que ça donne? Sympa, hein, quand même. Hein, je vise le milieu, hein, tant qu'à faire. Et je viens ancrer. Voilà. Attention, 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 attention. Et je viens ancrer mon truc. Là, on remarque que le A n'est pas forcément hyper bien fait, mais ça fera l'affaire. Et regardez, ce qu'il y a trop bien. Là, c'est un bout de chute hein, que je viens de prendre, ça, c'est pas prévu. Ce qu'il y a de trop bien, de trop bien, de trop bien, c'est que ça marche tant que notre encre... Ça, c'est pas prévu. Tant que notre lingette est pas sèche, et eh ben ça fonctionne. Et ça nous fait un dégradé différent à chaque fois. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis fan. J'adore. Sincèrement, je trouve ça trop sympa, trop kikichou, trop adorable. Et voilà. Attendez, parce que j'ai pas terminé. Je suis une ouf aujourd'hui. Tac, tac. Alors, ça, je le vire. Oui, on aurait pu prendre le tapis mousse. Effectivement, j'ai complètement oublié. Et sur ma chaîne YouTube, sauf en scrap, il me semble que j'ai fait une vidéo de la lingette avec ma Lulu pot de colle avec ma fille. Donc si jamais vous voulez voir, vous pouvez très bien aller voir. Il est où mon truc là? Cidre à la cannelle. Voilà. Donc ça, c'est des petits doigts éponges avec une boîte achetée sur Amazon, étiquetée par les soins de mon amie Didine Scrap. Comme ça, un doigt éponge à sa couleur. C'est écrit même à l'intérieur. Elle est trop forte, Sandrine. Hein. Bah ouais, ça fait super sympa, ça fait son petit effet. Et cette technique, je la connais depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une des premières que j'ai apprise. Et j'oublie assez souvent de la faire, mais j'aime bien revenir au basique, moi. Donc l'idée, c'est que mon encre, je viens tapoter. Et ça, c'est juste pour apporter de la finition à mon projet. Hein. C'est absolument pas indispensable. Mais moi, j'adore faire ça. Puisque mon étiquette était un peu grande, je trouve que ça l'habille. Ah, c'était pas à moi, c'était à Didine. Alors, il faut demander à Sandrine. Je ne sais pas si elle est encore connectée, puisqu'elle devait faire la boîte avec son fiston. Et après, on rajoute comme on veut. On appuie, on machin, on truc, on bidule, on truc muche. Pas de problème. Voilà, là, c'est très moche. Mais on estompe. Voilà. Le joyeux, on ne l'oublie pas. Et même, vous voyez, là, c'est un ton sur ton, du coup. Hein. Alors, Didine, est-ce que tu l'as, le bidule? Le PDF de ça, tu l'as gardé ou pas? Dis-nous tout. J'aurais du mal à croire que non, la connaissant. Mais bon, on ne sait jamais. Elle, vu qu'elle passe beaucoup de temps avec moi, c'est possible que je déteigne un peu sur elle. Oh, elle est trop mignonne. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse... Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Certaines le font, c'est sûr, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Et après, il rentre dans sa boîte. Et on n'a plus qu'à venir le coller dessus.
Hop, voilà. Donc lui, j'avais décidé de le coller directement comme ça. Voilà. Oh non, avec mon écriture pourrie, écrire à la main, c'est l'enfer chez moi. Voilà. Hop. Je prends là des petites mousses 3D. Ah bah ça sera sous la vidéo, Daniel. Parce que Sandrine, elle est juste adorable. Voilà, et là, on va faire ça comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Et vous voyez, là, j'avais pris des petits bidules qui viennent de l'eau étiquette, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la collection des murs. Et en fait, je trouvais ça très sympa de venir... Alors, j'en ai foutu partout, hein, bien sûr, vous me connaissez. Voyez, hop, voilà, et je vais prendre celui-là pour Didi non lance des cœurs, ouais. Voilà, hop. Mais là, ça fait fade hein, quand on les utilise comme ça. Vous voyez, il y a aussi des étiquettes. Hein. Si jamais vous aviez la flemme de faire l'étiquette pour le joyeux, ça rentrait largement là-dedans. Hop. Et ben là, qu'est-ce que je fais? Vous l'aurez compris. Je récupère mon petit doigt éponge et je viens ancrer rapidos muchachos avant que vous en ayez marre de moi. Regardez, tout de suite, ça apporte de la profondeur à notre petite étiquette. Vous trouvez pas ? Moi, j'adore. Et du coup, quand on est un peu pressé, mais qu'on a envie d'apporter une petite touche de déco supplémentaire, le lot des étiquettes comme ça, moi, je suis fan. Et après, on n'a plus qu'à venir les glisser quelque part par là. Comme ça, vous voyez. À l'aide de petits glue dots. Ouais. Oh, je rêve ou tu te moques ? Hop, et je viens déglisser comme ça. Voilà. Alors lui, on va peut-être le recoller. Non, il a collé. Voilà, nickel. Après, un petit coup de ruban par ici. Et le tour est joué. Ruban que j'ai évidemment rangé. Évidemment rangé. Mais que j'ai été chercher en deux temps, trois mouvements. Petit tampon vendu chez Stamping Up. Lesquels tu me parles? Ça? Tout est vendu chez Stamping Up. Tout ce que j'utilise ici, c'est vendu chez Stamping Up. Parce que déjà, c'est mon boulot. Mais surtout parce que je suis convaincue par les produits Stamping Up, en fait. Donc, clairement, oui, c'est que du Stamping Up. Alors, du coup, plutôt que de couper un bout et de faire de la perte, je fais comme les lacets. Une boucle. Oui, c'est vendu chez Stamping Up aussi. T'en trouves ailleurs, mais c'est vendu aussi chez Stamping Up. Deux boucles. Et voilà. Facile. Et aujourd'hui, mes mains n'ont même pas été reloues. Elle est pas belle, la vie. Et on va venir le coller ici. Oui, c'est vendu chez Stamping Up dans les fournitures, dans le gros catalogue vers la fin. Et je vais venir l'accrocher ici. Évidemment, j'aurais pu faire les choses mieux et couper bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Et voilà. Attendez, je vous tourne pour vous refaire un petit bisou. Oh, j'ai chaud. Eh, il n'était pas trop sympa notre projet. On a passé un super moment quand même. Hein. Ouais, hein. Ouais, moi j'ai passé un super moment avec vous, ça m'a fait trop plaisir. J'ai des idées plein la tête, mais il va falloir que je me concentre hein, déjà, et que je fasse la rentrée de mes enfants. Et promis, je suis au taquet. Hein. Je suis au taquet, alors si jamais vous avez des questions sur le fait d'intégrer mon équipe Stamping Up, surtout vous n'hésitez pas à venir me voir parce que c'est le moment.
Vous n'oubliez pas aussi que c'est la SAB, donc par tranche de 60 euros, vous avez un cadeau à choisir dans un catalogue spécial. C'est le moment parce que, parce que je suis plus très loin du voyage et que j'aurais bien besoin de vos quelques points pour partir en croisière aux Caraïbes grâce à vous et grâce au travail de ma fabuleuse équipe. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup de me porter parce que vraiment tout ça c'est grâce à vous. Je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao.